Bonjour, ben, ça que tu es là depuis ce matin, ben, vous êtes le bienvenu toujours dans notre émission Espace Causé du samedi matin, Carrefour Créole. Alors Carrefour Créole, ce matin, nous reçoit le groupe Lumière 5. Pourquoi Lumière 5? Parce qu'il y a un nouvel album ce matin que vous êtes présente à nous, il s'appelle Destiné. Alors Lumière sans tracé un petit peu, qui ça et les Lumières, mais pour faire laisser à vous le soin, puisque vous êtes là, vous êtes les nombreux, vous êtes plus que moins, la majorité de votre côté. Nous accueillons avant tout Johnny, c'est l'un des piliers, en quelque sorte, hein, il va rectifier, c'est pas ça, de la formation Lumière. Johnny, bonjour, comment il est, mon noir? Bonjour à vous, Spédi, bonjour à toutes les auditeurs, auditrices de Radio Azote Radio. Moi, c'est Johnny, comme Spédi l'a dit, responsable aussi et chanteur du groupe Lumière. Voilà. Avec vous, on a Georges-Marie. Comment il est, Georges-Marie? Il a même ce petit bonjour, ben, toutes les bonnes auditeurs Azote Radio. Ben, nous, les commentaires, nous les avons avec Azote, ben, pour passer un petit moment avec nous. Voilà, avec Zot sur Azote Radio. Jean-Noël, Jean-Noël, c'est le côté sentimental, nous accueille Ali. Bonjour Jean-Noël, comment il est? Bonjour Spédi, bonjour à la Réunion entière, bonjour à tous les auditeurs et auditrices à Azote Radio. Ben, moi, toujours avec l'amour, après mon sentiment, ben, je sens toujours le love, l'amour. Voilà, donc nous les complets pour justement démarrer ce Gaillard d'émission, je me rappelle, Espace Causé, artistes dans Carrefour Créole, les deux côtés, donc nous essayons d'arriver à notre niveau pour essayer justement, faire cause un maximum, bonnes artistes, dire à nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, pourquoi vous chantez, etc. Donc, on a un tacon d'affaires pour vous dire et fait c'est autres qui fait. Alors, on va commencer justement avec Johnny avant justement de présenter ce cinquième album, c'est bien le cinquième, parce qu'il y en a cinq, ici. C'est un chiffre, hein. Jeu loto, Johnny, non? Ce Val? Un petit peu, pas trop. Peu, ben. Bon, ben si vous jouez, n'oublie pas quoi que 5 ans. Voilà. Alors donc, Johnny, donc, on va commencer par où, hein, de présenter à nous un petit peu Lumière dans la continuité. On va dire, nous va venir sur l'album dans un instant, mais en première partie, pour, il serait bien justement de savoir un maximum sur les artistes, puisque ben, tout le monde y avance, on va dire, au vieilli, chaque année, c'est un an de plus. Oui. Cette année, hein, ça s'entend cette année, non? Bon, cette année, après, il tombe bien, là, ça fait 20 ans, c'est 20 l'année ans. Des 20 ans de Lumière. Puis... Voilà, 20 ans de Lumière et 60 ans de Johnny. On va parler de 60 ans de Johnny. Lumière, quand même. Voilà. Alors, Johnny, justement, une brève présentation, on va dire, ce cinquième album dans la continuité. Est-ce que Lumière a eu changement ou c'est toujours Lumière, qui est clair, d'ailleurs, hein? Ben, Lumière, elle a toujours changement. Nous essayons d'innover avec bonne jeune, danseuse, un truc comme ça. Mais le bon pilier ne l'a pas changé. Là, nous avons trois chanteurs en phare, Nena, Georges-Marie, Jean-Noël. Ben, nous continuons avec l'équipe de Mouniem. Je ne dis pas une équipe qui gagne, mais oui. De Mouniem. Oui, voilà. Mouniem, ben, nous ne change pas. Il nous intègre un petit peu les jeunes ensemble. Là, justement, nous l'intègre Angélique. Angélique, nouvelle. Et là, ben, ça te découvre sa voix avec Jean-Noël. Ben, Lumière, elle change pas, nous essayons de répondre à la demande. Nous, à Demouni, il aime bien le petit Ségalov, donc, nous l'avons le petit Ségalov, et n'oublie pas le petit Ségapiqué. Comme ça, chacun trouve son grain de sel. Que... Son grain de sel, donc, voilà. Parce que Lumière, donc, c'est une formation, il n'y a pas seulement Johnny qui chante, a... parce que tout le monde fait un petit peu la même chose. Hein. Voilà, Lumière est familiale, il faut dire, Lumière est très très familiale, donc là-dessus, on a 7 frères et sœurs, nous tous qui chantent, nous l'ensemble, que, voilà, c'est un groupe, et. Et donc voilà, nous essayons avance comme ça. Nous essayons avance comme ça jusqu'à quand il gagne. Que... Jusqu'à la mort. Là. Jusqu'à la mort, là, maman. Mais... jusqu'à quand il gagne. Trop loin. Hein. Alors, donc, Johnny, nous va aller vers Georges-Marie, justement. Alors, Georges-Marie, ou c'est pareil, hein, ou chante, ou joue un instrument, sauf guitare, tu m'as bien compris. Si, alors, avec guitare, ça, c'est tout simple, tout instrument. Ouais. On sait gratter un petit peu, quand il faut composer, tout ça, ça y est. Quand, des fois, on entraîne et la famille, la maman, ils dansent, ils portent un peu la joie dans le quai, tout cela. Ah oui, toujours, hein. Voilà. Avec toujours le sourire. Ah oui, toujours. Georges-Marie, il rit toujours, dit. Ah oui. Ah, c'est ça, Georges-Marie aussi. Aussi. Jean-Noël, donc, à où, moi, pourquoi trop eu l'occasion de causer avec vous auparavant. Donc, c'est l'occasion ce matin de dire que vous êtes là dans notre rond, à notre radio. Alors, parle-nous un peu de vous-même, Jean-Noël, qui s'est allé Jean-Noël, et est-ce que vous faisiez partie de Lumière à la création, ou bien en cours de route? On va dire non, au début, là, tout plus jeune, ben, on t'entraîne souvent chez maman, donc t'es dehors, ben, t'es joué, ben, on t'essaye de taper un petit peu, si ça me mettait trop, même une bouteille, un mob, c'est taper un petit. Ben, après, je vois Jean-Marie avec Johnny, ben, t'es en train d'essayer de répéter un petit peu aussi.
Et après, ils viennent dire, moi, je chante un peu. Je chante le morceau en train de composer. Et après, à force chanter, ben, on a vu peut-être du père d'Azot dans la musique. Mm-hmm. Ben, l'intégrement dans le groupe, ben, mon arrivée fait. Là, c'est mon deuxième album. Il fait un peu bon an. Donc, je trouve, ben, pour moi, je suis très content de faire partie de ce groupe-là parce que nous avons beau l'entendre. Mon papa est tout le temps là, ben, il aime ça aussi. Ouais. Donc, quand nous jouons la musique, fait plaisir maintenant. Ben, aujourd'hui, ben, on a mal eu la chance d'être sur l'album, mais très content. Voilà, donc la joie, lumière. On a la joie, on a la lumière, on va dire ça comme ça. Sinon, ça, ou ça n'a fait noir, on a pas de la joie. Voilà. Alors, Johnny, donc, avant d'aller à la suite, nous allons peut-être voir un petit peu l'album précédent. Puis, c'est l'instant, nous allons commencer par décortiquer un album. Mais on va passer par un petit extrait hein, en version live aujourd'hui, puisque elle nous fait ça, justement, de cette manière-là. Alors, l'album précédent, par rapport à ça, c'est-à-dire le temps, la durée entre l'avant-dernier et ça, c'est le quatrième, quoi. Voilà, quatrième, ben, on a 2 ans. On a 2 ans, ben, nous essayons d'estuaner comme nous l'a eu une chanson phare, mon sentiment, que la marché vraiment, et de monde l'a aimé. Ben, là, la chanson, là, elle tourne pendant 2 ans, même maintenant, la chanson tourne toujours, les gens, ils demandent toujours un mon sentiment. Donc, nous la laissons tourner, et puis, au bout de 2 ans, nous dit bon, pour que nous sortons un petit nouveau, une petite nouveauté, ben donc nous concertons à nous. Nous, les chansons des nouveaux, nous les avons déjà là. Oui. C'est juste de voir quand c'est le bon moment, pas précipiter, surtout dans la musique. Là. Oui. N'y veut pas précipiter, donc nous prenons du temps, voilà. Il faut corriger, il ne faut pas sortir quelque chose dans la vitesse. Hein. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Alors, Johnny, qui ça justement, quand il parle à la tête, hein, bon. Entendu Jean-Noël, Georges-Marie, même où l'a dit, c'est un groupe familial, donc pas question d'avoir un seul meneur, on va dire en quelque sorte. Mais n'empêche quand même, qui ça, il joue le rôle, un petit décalage au-dessus des autres par rapport les compositions, par rapport la tournure des paroles, etc. Ben, déjà, à la base, c'était Georges-Marie et moi, qui compose un peu plus, quoi, on était compose un peu plus. Peut-être par l'habitude, peut-être l'affaire, mais là Jean-Noël est venu dans le nouveau avec sa composition, avec sa nouvelle composition, et je pense que pour la suite est bien comme ça. Chacun a son petit couleur aussi. Hein? Oui, bien sûr. C'est la même chose, il arrive bien qu'un petit galop, nous mettons un petit piqué, donc nous essayons d'affaire. Et puis si nous nous disons un truc n'est pas bon dans la musique, un petit parole, ben là il aide. Mm-hmm. Il arrive, il entend sa chanson, il peut chanter, donne un petit truc, il sonne pas bien, mais il me donne un petit conseil, pareil pour Georges-Marie, donc nous entendons nous comme ça. Voilà, donc nous disons, il n'y a pas personne, il n'a fait nous. Voilà. Va dire, c'est monsieur l'entente alors. Voilà, nous entendons. Chacun par contre arrive avec son idée. Oui, bien sûr. Oui. Après, nous aidons pour ficeler les affaires mieux, pour être un bon bébé. Ouais, Georges-Marie, alors, vous écrire aussi, puisque vous chantez, il faut écrire, hein. Comme si vous mangez, si vous aussi, de temps en temps, il faut manger, hein. Comme ça, mange des notes. Comme je disais, comme ça même, chacun fait son morceau. Après, si on a un petit truc, il passe plus joli dedans, nous rectifie, au niveau de la musique, au niveau de l'époque, tout ça là, tout ça avance à nous. Même des fois, nous compose, nous gagne l'idée que la vieille, ben papa, ou bien petit cerf, plus petit aussi. Oui, oui. Mais écoute, ça nous dit, nous essayons de mettre des intègres dedans pour voir ce qu'ils sont vraiment. D'accord, donc ils brassent tout ensemble, après ils font un gros emplois, ils mangent. Jean-Noël, donc, où écrit aussi, auteur-compositeur, on a un titre auparavant, c'est-à-dire par le sentiment, c'était où là, il avait écrit sur l'album numéro 4. Comme nous, là, il y avait mon sentiment, c'est Georges-Marie qui a écrit mon sentiment. Il a donné un moyen, c'était un base, il a donné un moyen, après, on a essayé, il travaille. Travail de tête, on essaye de garder un petit peu cette hyplée à même dormant à garder, ça nous fallait mettre corrigement à corriger. Mais là, pour le nouveau album, il voulait faire, compose un par moi-même. D'accord. Donc, on l'a composé, après, comme c'est composé, on l'a chanté banal. Après, s'il y avait un truc pour corriger, banal, on a un petit peu de main là-dessus. Et pour la musique, Georges-Marie. D'accord. Donc, en face de moi, 3 auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, et bien, c'est l'armée, hein, voilà, lumière, que justement. Et là, ce matin, pour présenter notre 5e album. Le premier album, qui ça, il se souvient, peut-être pas le dernier arrivé, encore moins peut-être Georges-Marie, ou peut-être Georges-Marie. Comment, c'est où le plus vieux? Plus vieux. Voilà, dans la bonne, hein. Ouais. Donc, les autres, 3 frères. Et du plus petit. Ouais. Plus vieux, plus petit. Ouais. Alors, donc, Lumière 1, il y a
est-ce que vous étiez là, vous vous souvenez, dans le temps, à l'Esplanée en 96. En 96, voilà. Donc vous étiez déjà là, vous. Ben oui, c'est moi là qui forme le groupe Lumière. D'accord. Et avec les bonnes chaînes, la sorte de l'Esplanée. Mais normalement, je suis Radio Crossé, bon, on paye avant, en 93, nous étions fait Radio Crossé partout. Et ensuite, on a décidé de rouler le groupe en 93, dans ouais. Radio Crossé, en 96, dans notre premier CD. Mm-hmm. Et l'album L'Esplanée. L'Esplanée, ouais. Ouais. Et depuis, il plane toujours. Toujours, le monde, de temps en temps, c'était que bon, vieux autres là, puis donc, ici, non, quoi. Il fallait roder, hein. C'est l'ordinateur. Oui, oui. Ben, on aura bien. Non, mais les larmes, après, le temps, voilà. Les chambres. Oui, n'inquiète pas. Les dents, le tiroir. On connaît quand on vieillit. Ouais. Alors donc c'est où, en quelque sorte, pour être clair, précis, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas ou bien ils découvrent, c'est où le créateur en quelque sorte du groupe Lumière. Voilà. Et Bondalo qui était avec vous depuis 93, depuis la création, est-ce qu'il est toujours là la plupart? Non, la plupart, et puis là, on est un peu là, je suis, mon matière bon ensemble, on a été avec Jean-Noël dedans, on a été avec des phrases de musiciens, mais il reste un peu plus vieux, on a été la partie. Ouais, ouais. Pour une raison, pour ne pas avoir manqué. Mais le groupe Lumière l'a eu justement un petit stand-by à certains temps, hein, dû peut-être à. Réflexion, quelque sorte, non, peut-être. Comme on l'a dit, on avait la partie, des jeunes avec madame qui est députée, bien sûr. Ouais. Ça, c'est les femmes, hein. Ça. après, nous l'avons dormi pendant 12 ans. Oui. 12 ans, nous l'avons arrêté, après, nous l'avons recommencé. Voilà. 12 ans après, si je me souviens, donc 12 ans après, après l'album 3 bas 5, chose comme ça, non, ouais, après, bravo. Après l'album Le Rhum. Vous allez revenir avec Le Rhum. Vous allez revenir avec Le Rhum. Donc, auparavant, Le Rhum n'était pas bon. Et là, voilà. Donc le retour à la lumière, c'était avec l'album Le Rhum en 2011. En 2011, voilà. 2011. L'album Le Rhum. Après, donc Le Rhum la rouvre la voix pour la voix pour le sentiment des mon sentiment, mon sentiment la roue la voix. Hein. Ouais. Voilà, et c'est etc. Voilà. C'est un peu ça, me dire le chemin, les autres chemins, je veux dire. Bon, je tout, mais pense que voilà, dans de la peau, c'est dire d'autres chemins, c'est chemin, la musique, hein. Ouais. La musique, c'est d'autres chemins, c'est d'autres univers, et aujourd'hui, donc, c'est la complicité de famille. Le groupe Lumière, c'est un groupe familial, je me rappelle, donc, situé sur les hauteurs de l'Ouest, c'est ça? Ouais, trois bassins. Bassin. L'entre deux et d'autres, c'est trois bassins. Voilà. Bien différent, on va trouver. Ouais. Voilà. Alors, donc, Lumière 5, avant justement d'aller. Des quantiques sur la bonne, on va juste faire un petit point général pour bien situer Johnny, donc Johnny, Georges-Marie et Jean-Noël, trois frères. Trois frères, ouais, d'accord. Trois. Donc le plus vieux c'est Georges-Marie aussi, Johnny, deuxième, et Jean-Noël, le dernier. Voilà, attention, le dernier coup de la sonne. Ah, voilà. C'est dit encore à toutes. Hein. Et puis les autres, justement, un petit mot sur les autres, que les pas là, mais donc les absents jouent à tort, mais. Ils sont en tête, ils sont sur le premier album, les années. Oui. Si l'album est l'Esplanée, c'est une question de bonne stratégie avec un bébé de PAB, oui. Et après, on est là, Andrèse, Francine, Annabelle, Geneviève, et tout ça là. Ouais, Jessica et Angélica. Ouais, Jessica et Angélica. Voilà. Donc, en tous les cas, donc, l'album bien présenté avec la famille Lumière, on va dire. Hein. Bon, non, c'est pas famille Lumière, mais Lumière, c'est le nom, le groupe. Que nous allons découvrir dans un instant, avant justement, nous proposons d'aller écouter un petit extrait, juste un petit extrait en version reportage live, hein, on va dire, parce que ben, là, il n'était pas au complet, il avait point de l'instrument qu'il fallait. Là, je vais si, regarder là, même, je vais visionner. Là, je vais si un petit affaire, même, tu battais la musique. Ben, nous écoute un extrait, justement, extrait de ce cinquième album du groupe Lumière. L'extrait appelle simplement Occupère en version reportage live. Mon voisin, venez écouter. Moi, j'ai un secret, c'est le scoop de l'année. Et m'y fait raconter ça, rien qu'avec toi. Car ton langue, il est long, les chiens te va les rapporter. Mon voisin, venez écouter. Pas besoin la honte, là, pas besoin louquer. Ma raconte à toi, que ça laisse passer. Comme ça, Malaisie, que ça te l'a pas inventé. Occupé à manger, à mal, qui fout tout dans le même panier. Souris écoute comme le chien volé, elle est là pour écouter. Ça te l'a dit, ça te l'a fait, elle est enregistrée. Si
les passe lui monte, les autres va mettre disputer. Occupé à manger, à mal au cou, tu donnes même panier. Les oreilles goûtent comme le chien volé, aller là pour écouter. Ça te fait la dit, ça te fait la veille et enregistrer. S'il les passe lui monte, les autres va mettre disputer. Envoyez. Voilà. Voilà donc, Occupers, si tu viens d'écouter un petit extrait, me rappelle, sous forme de reportage live. Ah, je n'ai jamais entendu ça, hein, mais c'est nouveau ça. Hein. Reportage live, tout simplement, avec un petit arrangement interne à consister des trois frères Lumière. Les trois frères qui éclairent, ça veut dire les trois frères pétards. Non, les trois frères pétards, ça pète. Hein. Là, c'est les trois frères Lumière qui éclairent. Voilà, donc, alors là, nous, ça va en plein sur ce, l'album, puisque c'est là ce matin, c'est pour Adjano et Maximum, c'est ce cinquième album, c'est la continuité, Jeunier, on l'a bien dit, avec justement le petit frère que Léon Plein sur ce cinquième album, auparavant, Les Chantés, Mon Sentiment, c'est ça. Et là, il est resté dans la configuration Amour, mais pas n'importe lesquels, Amour égale fidélité. Voilà. On a l'amour, il faut la fidélité. Tu vas poser la question tout à l'heure, s'il est fidèle, en tout cas, mais c'est bien poli. Hein. Voilà. Alors Jeunier, donc, on va commencer toujours par où? Ce cinquième album, donc, il est dû à quoi? C'est la continuité maladie, mais mieux encore. Mieux encore, ben, je pense que c'est une suite. Que, voilà, c'est une suite parce que les gens qui attendent beaucoup qu'on finisse sorte de chez un album avec un titre comme Mon Sentiment, là, la PH, vraiment, que les gens, ils veulent retrouver ça, ils veulent retrouver ça. Dans le chemin, ils poussent à nous, mais quand ça la suite, ben. Ben, au moment donné, pour faire plaisir à eux aussi, ben, on a décidé de sortir un truc, mais sur le même lignée, que sur la même trajectoire que Mon Sentiment, et je pense que elle est pas mal réussi. Voilà, Destiné, c'est le titre de l'album. Voilà. Alors, Nova demande à le vieux tonton, on va dire, hein, le Lascar en quelque sorte. Hein. C'est moi mon tonton. Et quand il voit un bon titre comme ça, il dit à moi tout de suite, ça c'est. Hein, parce que l'essentiel d'être tonton d'ailleurs. Hein, là, tonton. Alors, Destiné, justement, les destinés à qui exactement? Est-ce que c'est vis-à-vis de quelque chose ou bien pourquoi donner le titre Destiné? Ben, on a donné Destiné, le nom de l'album, ben, parce que tout le monde arrive déjà au titre, quand le prochain, ben, nous destinons l'album, tout le monde y aime, ben, va retrouver de toute façon si l'album va retrouver ici. Et moi, je pense que faire la musique, n'est pas donné à tout. Tout le monde est content, sera content, fait la musique, il dit waouh, je peux dire, je mais les content pour les autres. Il dit ah, je m'étais gagné ça. Tout le monde est content, mais il trouve que faire la musique, de façon, c'est un destin pour nous. Nous l'arrête 12 ans, nous la reprend. Mais nous, quand nous la reprend, nous l'année avec l'album Le Rond et Mon Sentiment, là, nous la sortons, nous sommes là, pour moi, c'est un destin. Ah ouais, c'est vrai. Destiné pour nous faire la musique. Parce que nous faisons danse de monde. Destiné, voilà. De Laurent à Mon Sentiment, Destiné, nous allons aller du côté de Jean-Noël. Alors, Destiné, vous confirmez un petit peu, bon, d'après comme Jeunier l'avait dit, donc Jean-Noël, Georges-Marie, donc là, pour finir un petit peu, donne son version. Alors, version à haut, justement, est-ce qu'il correspond un petit peu? Ben oui, pour moi, mon version, si aujourd'hui me fait la musique, ben, m'y pense, c'était notre destin. C'est notre destin, nous destin coupé, parce que si Georges-Marie ne fait pas la musique, moi, je n'aurais pas fait la musique. Lydie, là, commence. Un chemin, mais nous, il ne manque pas nous hier à suivre ce chemin. Donc nous la suivre, et donc c'était mon destin. Voilà. Ben, net et clair, hein. Destiné, donc c'est le titre de. Enfin, côté son destin, mais. Il la ramène à nous. Là, voilà, la ramène dedans. Voilà. Voilà. Destin de lumière, Destiné, donc c'est l'album que j'ai fait pour Kyoto dès maintenant, hein, un album tout bénef avec 5 titres, hein, pas de reprise là-dessus, c'est uniquement. Nouveauté, d'accord. Alors, Amour et Fidélité, justement, ben, mes compos azotes, avant d'aller plus loin, d'écoute un petit extrait, ben, pareil, hein, c'est un petit extrait sous forme de reportage live, et ça, c'est l'œuvre de Jean-Noël qu'on écoute tout de suite. M'a toujours rêvé être à côté de vous, dans le bon, le mauvais, pour partager une vie de doux. Il va aimer un ou plus fort. En jour court, notre chemin l'a croisé, c'était nous destiné. M'a toujours rêvé être à côté de vous, oui, dans le bon, le mauvais, pour partager une vie doudou. Il va aimer ou plus fort, de jour en jour court, notre chemin l'a croisé, mais c'était nous destiné, oui, mon bébé. Oh.
retour exode donc après ce petit reportage live, hein, petit extrait reportage live du titre numéro 1 sur l'album, hein, nouveau album de Lumière, me rappelle en présentation ce matin d'un Carrefour Créole. Amour et fidélité. Alors nous va revenir là-dessus, hein, Jean-Noël. Donc c'est où les à l'œuvre de ça, c'est où l'a écrit, l'a composé, c'est où qui chante. Là, il y a oh bon, ça les bons, etc. Alors dis-nous juste, dis-nous, est-ce que à travers les mots que vous dites là, ils correspondent bien avec vos deux frères? Si, ils correspondent, mais après, à la base, moi, je voulais faire ça parce que souvent, nous, pas chanter dans des mariages. Donc après, quand, ben, moi, il dit tout le temps de chanter un mariage, il serait bien fait un morceau là-dessus. Comme ça, quand il dit amour et fidélité, ben, déjà, il parle un peu de la vie de la bonne personne qui marie, là, du coup, ça, le bonhomme souvient bien avant, il a promettre la fille, l'amour et fidélité. Mais là, au jour de joie de vie, ben, tu m'arrives et il représente un certain ouais, siècle. Ouais, correspond en quelque sorte. Voilà, donc là, ça sous, voilà, sous ce, voilà, cette ampleur-là, voilà. Voilà, carrément, donc c'est du vécu, c'est du, voilà, c'est du concret en quelque voilà, sorte. Voilà. Et mieux aussi, je veux dire, aujourd'hui, vu au-delà, comme ça n'a pas commenté sur au-delà, parce que bon, il n'y a pas à demander, parce que. Madame, écoute, va dire non, on ne m'a pas dit audio de l'âge en direct. Hein, voilà. Voilà. Ah, donc aujourd'hui, chanter du concret, les préférables, hein, au lieu d'aller dire des choses inventées que vous n'avez pas le fond. Non, mais justement, pour gagner l'inspiration, je ne préfère pas inventer, je préfère faire vraiment ce que je vois. Donc du coup, c'est vraiment fait ça, parce que les dieux font un truc et inventent. Voilà. Et donc pour vous, un mariage, c'est-à-dire chanter ça, c'est-à-dire pour un mariage, c'est un honneur. Voilà. C'est un honneur. Ouais. C'est pour vous. Bon, si la soirée est là, si les deux donc a fait la part des choses, c'est que la fidélité. Voilà. Ouais. C'est ce qu'il a dit, ben, il a fait aujourd'hui. Il a fait. Ouais. Alors Jean-Noël, Jean-Marie Larry. Il vous grime bien. Hein. Alors juste bon. Rire, bien sûr, il faut rire, hein. De toute façon, Lumière, c'est la joie. Hein. Ah, oui. Voilà. On a la joie, on a le rire. On va dire ça comme ça. Amour et fidélité, donc, le petit frère, voilà, cité, a dit oui, bon, voilà, donc, tu retournes là-dedans. Juste une petite question en parenthèse, Jean-Marie, le fidèle. Là, bien sûr, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très. Ah oui, très, très fidèle. Bon, et pas parce que madame écoute ou dit ça, hein. Très fidèle. Ouais, très fidèle. Comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Ah, oui. Voilà. Donc, les fans de Lumière, je dis bien les fans de Lumière, restent dans le public, hein, puisque. Bien, bien sûr. Voilà. Pas de regard sur Georges Marie. Si, puis regarde comme il passe en live, il le regarde à moi. Oui, il regarde. Non, non mais regarde, mais déjà. Ouais, déjà il trompe là. Non, trompe pas, Jean-Marie. Donc nous ça y voir parce que pour Jean-Noël, il est. Carré, il a dit, son deux frères. Il va bien avec la chanson, il est sûr et certain, c'est deux fois. Il est pareil, ouais. Fidèle. Non, mais c'est pas ça, mais Diao, quand on est bonne fan, c'est quand il regarde Lumière jouer, Diao, ton regard pas trop posé sur vous, parce que vous êtes fidèle, ouais. Non, on a toujours été fidèle. Voilà. Et... regarde Diao, mais pas avec des yeux. Voilà. Ah, quand il y a une école, hein. Voilà, bon, avec des cols, là, on va aller voir, je vais dire tout de suite. Alors, je dis donc, Aou, de toute façon, c'est quelqu'un de très fidèle. Hein. Oui. Voilà. Déjà, on a pas une tête d'infidèle. Voilà. Ah oui, tranquille, hein. Ah oui. Voilà, la chanson, il va ou bien. Ok, bon, même que je chante occupé. Et... alors, donc, ça, c'est la complicité de trois, en quelque sorte. Et vous, nourri, hein, c'est l'humour, un petit peu, de toute façon, c'est comme ça, nous avançons. Hein. Ah, donc, on partage un petit peu la vie de Jean-Noël, bien aujourd'hui. Le monde est assez compliqué pour faire des chansons sur Jacques-Philippe Yapol, qu'il rime pas avec la personne, le concept. Donc, ou chanter de l'amour, Vidiao, avec justement des rites qui donnent pour aller, un petit peu l'ambiance. Comme c'est le cas du titre numéro 4, le Varignetti, Tonton, c'est bien, assurément c'est bien puissant, c'est comme ça que c'est très on va bien voir. Alors, où ce concept-là, il mélange un petit peu avec l'ambiance qui rime avec un petit peu la sincérité et dire les choses comme il est, du concret à travers les chansons. Voilà, comme ça, il fait perdurer le groupe, la personnalité, tout ça. Ben, moi, à la base, déjà, si vous commencez à chanter, vous commencez à raconter des choses que je sais pas moi, où, on connaît pas, ben les dieux pour capter l'attention des gens. Donc nous, dans notre but à nous, que ce soit Jean-Noël, que ce soit Jean-Marie, ben, nous essayons des chansons que à où on l'a vécu, à l'autre l'a vécu, le caméraman il l'a vécu. Donc quand il a chanté en moi fidélité, peut-être il n'interpelle pas lui, mais ouais, à où, oui, parce qu'on l'a fini passe dedans. Ah oui, c'est sûr. Moi, je chante le petit morceau occupé, hein, à où peut-être fait pas rien, mais à lui. Il vient d'arriver dans le problème là, mais il était dedans, il connaît, il retrouve à l'identité.
la vider. Georges Marie, il y a son le morceau de mon tonton, festin, mariage, baptême, la communion, a toujours un tonton, il est là pour donner pour aller, pour mettre l'ambiance. Ben nous essayons, nous lumière, nous essayons capter un maximum de gens concernés dans notre CD. Voilà le CD, voir le bon titre, tout ça là. La chanson l'amour, la chanson l'ambiance, ça les fait exprès comme ça, un maximum de gens ils retrouvent à eux dans chaque chanson. Voilà, de l'amour, même s'il n'a occupé assez sur l'album là, donc on va bien comprendre, c'est juste pour situer la personne. Il est vrai que de nos jours, on va dire à La Réunion, c'est un pays un petit peu, on a pas mal d'occupés. Après, occupe quoi, on ne connaît pas. On a des occupés de qui, on a des occupés de tout, on va dire. Hein. Bon, ça n'est pas tabou, on va dire occupés de qui, occupés d'affaires, garde pas autres, etc. Mais en tout cas, on va dire où, bon, où l'a pas visé un concept expressément pour ça, veut dire non, on pas vise personne. Bon, on a vu que bon, on a des petits dérapages par-ci par-là dans le milieu social ou autre. Occupé, donc il correspond à bon entendeur. Bah, c'est un thème que dans bon peu de gens ils sont concernés. Que voilà, parce qu'on a des gens, ils remarquent qu'on a des gens les très pudiques. Tu fais des choses, ouais. Tu fais pas de mon regard, tu fais pas. Je me fais un truc dans l'anonymat. Ouais. Donc, dès que la vie n'a haine et l'entendre regarder, un truc comme ça, mais si tu veux pas, donc et là, tout de suite. Ouais, voilà. Et tant qu'il ne vient pas un virus, tant qu'il ne transforme pas en virus, on va dire, voilà. On va continuer à occuper, on va dire ça comme ça. Allez, nous, ça va du côté l'ambiance qui accède un petit peu à cadence sur ce cinquième album de Lumière. Tu t'appelles Mon Tonton. On va écouter un petit extrait pareil en version reportage live tout de suite avec la voix de Georges Marie. Week-end arrivé, à soi nous les invités. Festin, famille, à soi nous ça défoulé. Balancez, baba, comme vous voulez. Bien coiffé et bien sapé. À soi la nuit, ça m'est dit, fait dans soirée. Week-end arrivé, à soi nous les invités. Dégagez, maman. Festin, famille, à soi nous ça défoulé. S'abonnez, maman. Festin, bien coiffé et bien sapé. À soi la nuit, ça m'est dit, fait dans soirée. Mon tonton, mon tonton, il est bien beau, il est bien bon. C'est fait. Mon tonton, les piles, ces gars-là. Mais l'ambiance est belle, faut voir comment ça les gâteaux. Donne-lui, baba, c'est fait. Mon tonton, appuyez ma tête de neige. Il est bien beau, il est bien bon. Il est bien beau, il est bien bon. Mon tonton, les piles, ces gars-là. Oui, mais ça, l'ambiance, la réunion, ça les bon. C'est baba. Mon tonton, il est bien beau, il est bien bon. Mon tonton, il pile ces gars-là. L'ambiance est belle, faut voir comment ça les gâchons. Mon tonton, il est bien beau, il est bien bon. Mon tonton, il pile ces gars-là. Mais ça, l'ambiance, la réunion, ça les bon. Allez, de retour pour le dernier parti avec Zot, puisque nous avons fait en trois parties, avec trois extraits que Zot a eu droit ce matin, trois extraits en version reportage live. Donc, en avance, ça sera comme ça pour les petits malins, par exemple, hein, qui essayent de repiquer. Là, toujours, hein. Bon, ça c'est les occupés, on va dire. Alors, donc, nous revient avec Lumière, que là ce matin, pour la présentation de notre cinquième album, hein, maximum, Zot a dit sur ce cinquième album, que Zot est dans la continuité, cette continuité, je il n'y arrêtera pas là, je n'y rassure à nous. Ah non, jamais. Il y aura un sixième bientôt. Ben, comme on l'a dit, au moins, nous prenons du temps. Donc, nous va laisser là, tu en es. Mais après, il est sûr. Il est sûr, certain. Voilà. Mon tonton, comment il est tonton? Ah, on la donne pas, elle est mal. Là, nous attendons le petit version reportage live. Mais il ne m'explique pas autre qu'on va écouter vraiment le son lui-même sur le CD. Ah, ben non. Soit un handicapé, soit un pile au pied, mais il va danser. Même ça qu'un pile au pied va danser. Il va danser comme un petit jatte ici derrière. Mais c'est un petit son qui donne tout aller quand même, c'est rare. Alors ce petit son, donc c'est où l'a écrit Georges Marie? Oui, c'est bon, ouais. Voilà. On écoute une petite musique, voilà, de Georges Marie, pas de problème. Ça c'est, vous connaissez, la nouvelle technologie. Donc on cause, il est toujours là pour les affaires. La moindre chose, vous savez quoi? Voilà, la prochaine fois. Bon, alors, parlons un petit peu de ce fameux tonton. C'est où tonton ou bien c'est tonton? Ben, en fin de compte, on a fait moi cela pour tout bon tonton. Ouais.
Parce qu'il y a nous aussi, nous mettons, chaque fois la musique qu'ils jouent, mais chaque fois ils ensemble la musique, ils massent ensemble. Tu vois, son des petits coups de serre. Dès qu'ils mettent la musique, ils ensemble, ils dansent. Mais ils ont marqué chaque fois dans un festin, comme dans un festin familial, de sa famille. Mais le premier moment, c'est la piscine, ton tonton toujours. Ah oui, tout. Et c'est pour ça que je fais le morceau, mon tonton, pour tout le bon tonton du monde entier. Qu'ils vont retrouver tout ce morceau-là, qu'ils vont mettre l'ambiance, qu'ils vont faire danser de monde, qu'ils vont morceau. Avec ou sans le rhum? Un petit peu avec, pas trop le rhum avec modération, sur le avec toujours. Le rhum n'est pas bon, mais si le rhum n'est pas bon, c'est sûr. La boire avec modération. Ouais, ouais. Donc, ça, comme Jean-Noël a parlé d'amour, fidélité, justement, dans un concept de mariage, etc. Donc, et où, ça, c'est un concept, justement, toujours hein, dans un rhum familial, l'ambiance, toujours un tonton qui roule. Toujours un tonton qui roule la cadence, et là pour danser, pour faire tout le monde, c'est toujours un tonton. Ouais, toujours avec ça, même petit plaisir. Ensemble. Il est debout. Voilà. Jean-Noël, donc, alors, où, dis-nous justement, ta vie partagée sur. Bon, je ne vais pas dire ce que ça, lumière il fait, parce que bon, ben, on fait partie de la fonction lumière. Mais aujourd'hui, justement, là, nous va sortir un petit peu de ce concept, nous reste justement dans la culture, le chemin, la musique, réalisée ou pas réalisée. Alors, comment on conçoit aujourd'hui, comment on voit la musique réunionnée évoluer? Est-ce que pour vous, ça va dans le bon chemin ou bien il y a un emboîtement que il faut trouver la solution avant qu'il faut dans le fond quoi. En fait il ne faudra pas dans le fond parce que quand on regarde bien, souvent on regarde la télé, on regarde le clip, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Ils arrivent, que ce soit dans le cigar, le slow ou bien même dans le sol, le raga. Ils pensent que les paratis pour bien aller, comme moi je dis, moi là est angélique, moi je vais mettre un joli angélique dedans. Parce que nous commençons à prendre un peu de l'âge. Ouais. Donc après un jour, si jamais il nous voit, il veut aller, ben, nous serons toujours là pour être le bon, plus jeune. Mmh. Comme ça, il représente toujours la réunion. Donc je pense que les bien parti quand même. Bien parti avec l'intégration de bons jeunes, etc. Les jeunes, ils viennent, ils aiment ça, donc tranquille. Bien parti. Ouais. Mais pour ces jeunes-là, si par exemple il y a un petit message que vous lance à travers, que vous direz à eux justement par rapport à tous les rythmes que nous entendons aujourd'hui et par rapport au gamme que nous entendons, qui tient tant de ces gammes Alouya et ces jeunes aujourd'hui qui, mais je ne dis pas que vous êtes désintéressés hein, de ce banque de rythmes, hein, mais il y a quand même un petit oubli ou bien peut-être un petit manque d'informations. Alors, un message par exemple, si je me dirais de lancer à ces jeunes. Moi, ce que je me dirais, ben, de faire la musique, mais avant de faire la musique, là, de bien réfléchir à ce que ça va écrire, parce qu'il est quand même assez. Les graves, si vous dites des choses que comme Midjao ne connaît pas ce que vous dites, ou bien ça raconte des choses qui n'est pas vraies, c'est pour ça que Midjao inspire des choses, des faits réels, pas des faits que imaginaires, après où ça dit à la base, ça dit des choses qu'il ne faut pas dire, parce que l'écrit reste. Donc bien réfléchir avant de faire la musique comme ça. La musique elle est bien, mais il faut pas dire n'importe quoi. Ah oui, bien sûr. Parole d'un jeune, hein, Jean-Noël, donc est situé justement dans cette nouvelle génération qui grimpe, nous va dire. Hein. Après, bon, on a vu partager avec différents rythmes, et que voulez-vous, c'est la musique, nous va dire la culture, tant qu'il ne faut pas dans le fond, bah, nous va dire ben, bravo à ces jeunes. Vous, c'est pas un jeune ou Georges-Marie, hein, donc un vieux de la vieille, hein, parce que vous voulez plus vieux que tout le monde. Bon. Vieux façon de dire, hein, mais il y a toujours. Hein. Il a plus de l'âge. Bien sûr. Mais s'il a plus de vieux aussi, bonne jeune âme. Alors, où par exemple, est-ce que pour vous, une vision à vous, si bonne jeune âme par rapport bon, Jean-Noël est dans un rond, mais il y a au familial, pour gagner cadre d'Ali, etc. Mais les autres qui débarquent, par exemple, avec des sons par-ci, par-là, pour vous, est-ce que vous êtes au bon endroit ou bien il manque encore de travail à faire? En fin de compte, les bonnes jeunes suivent les nouveautés, ils suivent la cadence, et ce qu'elle style portalon jean, mais ils restent portalon jean. Mais si ça suivait, en fin de compte, ça suivait le cours de la vie, en fin de compte, la vie évolue comment, ça suivait l'évolution. L'évolution, mais fait mes avalés, les bonnes jeunes façon d'autres morceaux. D'autres styles, oui, c'est l'évolution en fin de compte. Oui, oui. La réunion, ouais, il fait la case partout, l'évolution. Ah oui, c'est sûr. Si voilà. Le dans ça. Hein. Et où les cours comptent cette évolution-là? À moi-même, les pouvoirs comptent les deux en même temps, mais si j'ai mélangé un peu tout avec, mélangé le maloya, essayer de mettre un peu tout dedans, ça y travaille d'une autre façon, mais les pouvoirs. Voilà. Ça y met tout dedans. Johnny, alors, et où par rapport justement, on rebondit un petit peu, mais ça n'a pas posé une question. Alors, vous avez bien entendu ce que Jean-Noël a répondu, pareil pour Georges-Marie. Alors,
à aucun réagir justement en rebondissant là-dessus. Ben moi, on va dire ok, moi les poids, de toute façon la musique, ben les jeunes, ils suivent la nouvelle vibe, ouais. Voilà donc, mais on aura toujours bonne vie Wiska, qui l'a fait Maloya, vous avez toujours fait Maloya. Ouais, ouais. Peut-être va améliorer, peut-être va mettre d'autres instruments plus modernes, mais il sera toujours du Maloya. Et du Sega, comme nous, on fait du Sega. Nous va mettre un petit peu plus de nouveaux instruments dedans, ouais. Mais il sera toujours du Sega même. Nous va faire toujours, donc voilà, il sera varié. Varié compte, dans, c'est un plus, en fin de compte. Vu que Nina bonne jeune, il fait bonne nouveau, Nina il fait bonnes anciens, donc je pense que la musique, voilà, la musique, il sera toujours gagnant la musique. La musique, voilà. Sera toujours gagnant. Donc c'est votre avis, c'est votre manière de voir les choses, de dire bon, on a tout intérêt hein, à pas trop être à côté parce que sinon, voilà. Donc à mon avis, on est dedans, hein, et puis bon, c'est à d'autres de comment prospérer le plus loin possible dans la musique, c'est-à-dire représenter notre île, hein, la Réunion, parce que tout ça, ils sont ici même, c'est Gare Maloya, après même si c'est Gare aujourd'hui, ben, l'île Maurice et l'île Sœur ou l'océan Indien, ils on a apprécié de ce que la Réunion y fait. Dans tous les cas, la Réunion, c'est plus ce côté Maloya et puis le Sénégal, il vient juste après derrière. Alors, le projet de Lumière pour la suite, est-ce que voilà, vous envisagez, bon, l'album est sorti, hein, bon, on va dire, il est placé, hein, les... oui, partout, oui. Dans les... Oui, dans les bacs, comme dans les bacs, oui. Aussi, même ça, même aussi, nous vend avec nous. D'ailleurs, s'il y a des gens à besoin, ils ont pu contacter à nous, 06 92 45 38 08. Bien le 06 92 47 53 06. Voilà, donc deux numéros de téléphone si le monde n'y arrive pas à trouver, ou bien les paresses d'aller dans la boutique pour roder. Enfin, comme dit la boutique, c'est pas la boutique chinoise, hein. Il y a les tropidro non plus. Ou bien ça, toi, tu contactes SPD. Oui, bien sûr, SPD, il est là. Le numéro de téléphone, c'est mon frère, là, radio. Voilà. Alors, donc deux numéros de téléphone avant tout hein, d'arriver. Bien sûr, si tu arrives avec moi, madame Azot, 06 92 45 38 08 ou 06 92 47 53 06. Voilà, à où la point numéro là-dessus. Non, voilà. Deux numéros pour autres, etc. Donc les projets à venir, c'est à dire maintenant la promotion, bien sûr. Voilà, la promotion de l'album. Voilà, l'album Tout chaud, tout bénéfice, monte azote, un album en couleur. Avec couleur l'amour, oui, le rouge, c'est toujours voilà, Jean-Marie en rouge. Tu vois, venez, hein. Bon, il est vieux, mais il n'est pas envie d'être vieux. Et puis bien sûr, dans la rénovation, c'est la famille Lumière, toi tu vois, hein, en chair et en os. Voilà, et derrière, bon voilà, là la rétrécie, hein. Voilà. C'est trois compères gratte fil. Voilà, Johnny dans le milieu, pourquoi? Ben oui, il n'y a pas de milieu. Là, à côté, nous voit justement Jean-Noël et Georges-Marie aussi. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Alors, donc, les projets, c'est la promotion, on va dire, et puis les sorties, les contacts scéniques, tout ça là. Bon, et pareil, hein, si Lumière, de toute façon, elle est disponible pour ambiancer par-ci, par-là, mm-hmm. Sous condition, on nous dit toujours, hein, parce qu'il y a des fois, ben, quand on nous dit ça, le monde appelle, il dit, ah ben, vous avez dit, Lumière est disponible pour y jouer dans le mal. Oui, bien sûr, mais sous condition. Ça, c'est pas nous qui avons ça. Mm-hmm. Il suffit de contacter le groupe, l'artiste, et puis, bien sûr, passer par nous, ça, c'est pas un souci. Hein, nous, là, pour soutenir les artistes, les groupes, hein, voilà. Mais après, notre promotion, c'est à d'autres de faire sous forme de vente et puis de sortie, quoi, pique-nique, etc. D'ailleurs, on profite que nous, que Lumière est là. Ben, on félicite Radio Azote Radio pour notre travail parce que aujourd'hui, si les bons artistes, si nous les là, nous fait la promotion de notre album, ben, les radios les pour beaucoup. Les radios, ben, ils contactent à nous, ils disent à nous. Telle personne, il cherche à nous, il donne notre contact, ben il dit pas assez, mais il fait les radios, fait un gros boulot pour les artistes. Voilà, et donc ça me tient félicitations. Ben, merci, bien sûr. Et puis de toute façon, on a toujours dit, hein, il va dans les deux sens, hein. C'est-à-dire si la bonne artiste, ben radio il tourne pas, et si la bonne radio, ben les artistes aussi. Bon, parce que longtemps avec 20, on rappelle ça, tu dois dire, moi ben francophone, un truc comme ça, t'es fait tout ça en interne.
Maintenant, dans les radios, tant mieux, on va dire. Mais nous aussi, bien souvent, hein, nous ne prenons pas seulement les éloges, nous aussi, nous renvoyons la pierre de remerciement aux artistes, parce que sans eux, les radios, c'est rien, d'ailleurs. Hein. Donc, nous encourageons les autres d'aller le plus possible, de toujours collaborer, de toujours avoir notre complicité, famille ou amis, d'allons, etc., pour que la Réunion ne manque pas hein, de son. D'ailleurs, bon, difficile, on va dire, la Réunion manque de son. Avec tout ça, nana, les normes ne vont pas dire les saturer, parce que c'est un mot, on va dire, ben, il faut arrêter. Non, il n'est pas saturé. Mais nous en a assez pour ne pas justement l'intéresser à nous, ne pas ailleurs en quelque sorte. Ça, c'est juste un petit parenthèse pour les organisateurs. Hein. Arrête d'aller dehors. Chine nana ici. Hein, donc, hein, on occupe. Non, occupe pas. Voilà, occupe un petit peu dans le bon sens de notre artiste hein, qui fait un excellent travail, mais un énorme travail pour la culture réunionnaise et puis ben, pour le bien-être de tout un chacun, famille, etc. Même si un peu, bon, il retrouve un petit peu amèrement dans des chansons. Et ça veut dire ben c'est l'heure pour changer. Par exemple, si elle il retrouve l'idée occupée, ça veut dire que quelque part il faut le changer. Voilà. Et si elle ne retrouve pas l'idée d'un mois de fidélité, mais c'est l'occasion pour voilà, un problème. Il faut le changer sur ce côté-là. Voilà. En tous les cas, on a fait un petit peu le tour de ce 5e album hein, du groupe Lumière, je rappelle. Un album déjà disponible. Juste pour dire nous deux petits mots sur la conception autour de ce album. Elle a été enregistrée ou ça par exemple. Ben là, elle a été enregistrée hein, sur le tapas avec Samuel Cadet et Mistien Sotali. Si le gars a nous un grand merci, un grand bravo pour le petit album. Et nous, on est très fort. Comme d'habitude, ouais. Il est très professionnalisme, Samuel est très accueillant. Ouais. C'est pour ça, Lumière, depuis, je pense que vous l'avez dit, Lumière l'a revenu. Ben, Lumière l'a revenu, ben, nous l'a venu avec Samuel. Ben, comme il a eu un changement, on est revenu avec Samuel et Tapaz. Mm-hmm. Ben, depuis, ben, je pense que. Ça délivre pour nous, ben nous rend aller, ben nous voit, il marche des deux sens. Oui, donc il ne change pas et nous a une très grande confiance en lui. Mmh. Il va rester fidèle, je veux voilà, dire. Il voilà, il fait de l'excellent travail. C'est toujours la balle de la nuit, et aussi. Et aussi, mmh. Tiens, remercier aussi, Mathieu. Mathieu Damien, un coup de main, c'est un mari qui conseille ou bien la musique, donc bien ça s'appelle tout ça. Voilà. D'accord. Les remerciements, profite hein, justement, comme ça finir. Donc, ouais, bien sûr, ben hein? Moi, les remerciements, ben moi, tout le temps, quand je me remercie, moi, toujours, je pense toujours à mon papa. Hein. Ah, mais bien sûr. Un petit mot, ben, notre plus grand bien fan. Bien sûr, ouais. Ouais. Notre plus grand fan, ouais. Et ben, on profite de l'envoi là. Mm-hmm. Ben, je connais, c'est un honneur pour vous autres aussi, mm-hmm. Parce que papa, à un moment, il ne joue pas aucun sûr. Instrument. Vous n'allez pas musicien, ouais, vous n'allez pas ouais. Rien. Par contre, maman a la famille musicien, mmh. Mais les 7 enfants, il a fait 7 enfants, les 7 chantent. Ah ben voilà. Je pense qu'il fait aller très très plaisir et il se dit, ah oui, quand nous travaillons le blog là, ben t'as l'air nous t'es pour taper. Oui. Maman, t'es là, mais t'es tapé dans la main. Ah oui. Ah, voilà. T'es dans nous, ça t'es fait. Voilà, ben, un petit coucou à la maman, le papa aussi, donc qui joue un rôle primordial, je veux dire, dans notre vie. Hein, ouais. Parce que d'ailleurs, bien sûr, avec un remerciement, si vous êtes là aujourd'hui, ça te chante. Même si Zoti ne gagne pas un instrument, hein, mais il reste toujours. Surtout quand il va nous donner un petit peu, il ouais. Ne veut pas trop jouer là. Mais il est là pour pousser à ouais, voilà. Que ça pour faire trappe là, là, taper un peu, quoi pour faire. Voilà, toi, la famille Lumière, en passant bien sûr par le maman et le papa, ben, ouais. Ça c'est normal. Après tout ce qu'on a autour. Après le remerciement, donc, on ne doit pas oublier personne en quelque sorte. Ouais, hein, veut dire, moi-même, il profite. Souhaite là pour remercier tous les auditeurs et auditrices qui ben, ont toujours soutenu à nous. C'est un peu grâce à vous aussi nous les là parce qu'ils donnent à nous la force. Même si vous êtes sur un pas en compte, ils donnent à nous la force pour toujours faire la musique, toujours avancer dans la musique. Donc, remercie à vous, remercie à vous. Merci au caméraman. Super. Patrick, voilà, donc nous remercie Patrick, au cas où je ne connais pas, donc moi présente à Patrick, donc. Nous connaissons Patrick, mais nous ne connaissons pas Patrick, nous connaissons un autre nom. Un autre nom. Vous pouvez dire son nom, remercier, parce que bon, voilà, donc c'est l'île à l'œuvre justement de ce petit reportage live, hein, sous forme causée, interview. Nous remercions l'île. Voilà, nous commençons petitement et nous va grandir un jour, c'est un peu notre souhait. D'ailleurs, donc, vous êtes fait partie de notre rond, ben, nous va essayer de grandir dans, de ce côté-là.
En tous les cas, donc, c'était un immense plaisir d'accueillir Zot justement pour présenter ce cinquième album. Et surtout d'avoir pensé à nous, hein. Voilà, parce que si hein, si ne donne pas nous, ne diffuse pas non plus. Voilà. En tous les cas, un titre que cartonne bien chez nous, Amour et Fidélité, que tu peux retrouver dans notre top 20. Donc les gens y aiment bien. Dit ben, ça a la moindre fidélité, tant mieux. Hein, voilà. Et puis, ben, lumière, ben, longue vie à Zot, hein. Tout ce que je souhaite à Zot reste toujours dans la clarté. Hein. Voilà, éclaire toujours. D'accord. Si là tu vois la coupée courant, ben je sais pas, road pile. Ouais, mais éclaire toujours cette lumière là. Tu vas dire ça comme ça. Là, voilà. Il tiendra pas. On donne le compliment à Zot. À Zot, c'est longue vie. Donc merci à la radio. Merci aujourd'hui nous les connus. Tu veux pas tous ces grâces par rapport à la radio. Donc, merci à Zot. Voilà, donc merci tout ça, t'étais à l'écoute justement pour ce petit interview sous forme en portail live avec la formation Lumière, cinquième album, il rappelle, un album de 5 titres intitulé justement Destiné, Zot Destiné. À travers ça, je peux retrouver l'amour, je peux trouver aussi une manière de ne pas occuper, hein, voilà, c'est le machin, et puis l'ambiance famille avec mon tonton, un titre aussi que tu peux retrouver là-dessus. Et d'autres titres, bien sûr, à découvrir sur le cinquième album du groupe Lumière, déjà disponible dans tous les bacs. Et juste pour les cocos durs qui oublient, 2 numéros de téléphone à contacter si tu veux acheter l'album directement avec le groupe. 06 92 45 38 08 ou 06 92 47 53 06. Voilà, nous l'a tout dit, nous n'oublions rien. Et puis là, ben, nous, on va laisser à Zot de choisir un titre pour nous finir ensemble. Et là, nous va écouter justement en intégralité, mais en version pas live, mais en version de l'album. Mon tonton. Voilà. Mon tonton, que nous finis là-dessus. Et merci en tous les cas. Et me rappelle que l'été. Et bien sûr, du côté du captage, Patrick du groupe Nawa, hein, du groupe Nawa, parce qu'il faut quand même rendre à César, que ça appartient à César. Merci Patrick, et puis ben, bon travail, et puis Lumière, on se retrouve à la prochaine. À la prochaine, merci. Big up, La Réunion. La Réunion, ouais.